Josua Ozi, candidat du Social Democratic Front à la présidentielle camerounaise de 2018, consulte la diaspora camerounaise de Belgique pour un programme de société participatif. De multiples questions des participants dans plusieurs secteurs de la vie témoignent de nombreuses attentes et espoirs d'un Cameroun qui va de l'avant. Nous y reviendrons. Dans une interview accordée à Brussels Information Press, Josua Ozi revient sur quelques sujets clés de son programme en gestation, planche sur la question sécuritaire critique au Cameroun et adresse un message fort à la diaspora camerounaise de Belgique. À 2 mois et 3 semaines de l'élection présidentielle camerounaise prévue le 7 octobre 2018, le candidat du Social Democratic Front, Josua Ozi, était en tournée en Europe et particulièrement dans la capitale européenne, Bruxelles, où il a rencontré la diaspora camerounaise. C'était jeudi 12 juillet 2018. L'objectif était clair. Échanger, répondre aux multiples questions des Camerounais et amis du Cameroun, mais surtout, recueillir les contributions des uns et des autres en termes d'idées novatrices, des réflexions ou recommandations dans l'élaboration de son programme de société qui se veut participatif pour la construction du Cameroun.